www.dever.com. Gloire à Dieu. La joie dans notre camp cette nuit au nom de Jésus-Christ. La joie dans votre cœur. La joie dans votre famille. La joie du salut. La joie de guérison. La joie de miracle. La joie du surnaturel va se produire dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es aimable, compatissant et miséricordieux. Tu manifestes ta puissance qui ne faillit jamais et tu nous donnes la joie. Nous demandons, Seigneur, comme nous sommes ici, nous prions que la puissance agisse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Fais des merveilles dans chaque vie. Ici, à Yola, et jusqu'au reste des continents de la planète, manifeste ta puissance qui ne faillit jamais. Confirme ta parole, ton miracle, ta libération dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous allons aux Actes des Apôtres. Actes chapitre 8, Actes des Apôtres. Chapitre 8, je lis le verset 5. Actes 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est ce que nous faisons. Au lieu de Samarie, nous sommes à Yola et nous prêchons Christ. Christ le guérisseur, Christ le sauveur, Christ le rédempteur, Christ celui qui fait des merveilles. Ce soir, comme vous entendrez parler de Christ qui est puissant à sauver, comme vous entendrez de Christ, Christ qui est puissant à délivrer, comme vous entendez parler de Christ qui est puissant à transformer, il agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 6 ici. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les gens étaient attentifs et Philippe a parlé de Christ et ils ont prêté attention. Il a parlé du nom, le nom qui sauve. Ils ont prêté attention à ce qu'il disait. Il a parlé de ce que Christ a fait, ce que Christ fera, ce que Christ accomplira et ils ont prêté attention. Et ils se sont appliqués cela. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi. Et comme ils ont prêté attention de cette manière, ils ont commencé à voir des miracles, comme vous allez voir des miracles ce soir. Ils ont commencé à recevoir le salut comme vous allez le recevoir ce soir. Les gens qui ont soumis leur vie et se sont donnés au Seigneur. Cela nous dit au verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup, et non peu, et beaucoup, pas seulement une minorité, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup ce soir. Des aveugles vont recouvrir la vision. Les paralytiques se lèveront et marcheront. Et les tumeurs qui étaient là pour une longue durée, toute chose disparaîtra ce jour au nom de Jésus-Christ. Allons au verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et dans cette ville où nous sommes présentement, il y aura une grande joie. Vous aurez la joie, vous allez porter la joie et rentrer chez vous avec la joie. Une grande joie, pourquoi? Et de quoi parlait Philippe? Qui les a donné la joie du salut? Qui leur a donné la joie de guérison? Qui leur a donné la joie de délivrance?
qui leur a donné la joie de libération, de l'émancipation. De quoi parlait-il? Voilà le verset 12. Verset 12. Cela nous disait ce dont parlait Philippe. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom qui a vaincu le péché. Le nom qui a vaincu Satan. Le nom qui a vaincu la tombe. Le nom qui a vaincu tout pouvoir maléfique. Il parlait du nom. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Ils ont cru à ce que Philippe a déclaré, ce que Philippe a proclamé au sujet du royaume de Dieu, comment sortir du royaume des ténèbres et entrer dans le royaume de lumière, comment sortir du royaume de Satan pour entrer dans le royaume de son Fils unique, le royaume du Sauveur. Comment sortir du royaume naturel pour entrer dans le royaume surnaturel? Il prêchait et proclamait et exhortait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. C'est le nom dont nous parlons ce jour. Le nom exalté qui a la puissance de faire des possibilités inépuisables. Le nom de Christ, le Sauveur, le Rédempteur, le Guérisseur, le Libérateur, le Transformateur, celui qui transforme notre vie, qui nous prend et nous remoule, il transforme notre vie. Le nom exalté qui a la puissance de faire des possibilités inépuisables. Comment nous connectons-nous avec ce nom? Comment nous branchons-nous sur ce nom? Alors comme vous connectez avec ce nom ce jour, vous aurez le salut, vous aurez la rédemption. Et comme vous connectez à ce nom, comment nous connectons-nous? Voyons Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Dans notre nation ici, les nations environnantes, les nations d'Afrique, dans les nations de l'Occident, en son nom, le pardon, la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Allons aux Actes 10, verset 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, le nom exalté, le nom qui fait des prodiges, le nom qui sauve, le nom qui vient nous affranchir, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Une fois encore, le nom exalté qui a la puissance de faire des possibilités inépuisables. Nous allons voir trois sous-titres avant de prier. 1. Le nom puissant. 2. Le nom prédominant. 3. Le nom précieux. 1. Le nom puissant. Le nom qui a la puissance de vaincre toute chose qui agit contre votre vie. Cela va vaincre le péché dans votre vie. Amen. Cela va vaincre la maladie dans votre vie. Cela va vaincre les démons dans votre vie. Le nom puissant qui sauve les pires des pécheurs. Quel que soit le genre de pécheur que vous soyez, le pécheur noir, jaune, rouge, un grand pécheur, un pécheur, un fiafé pécheur,
Le nom de Jésus qui vient à vous aujourd'hui va sauver le pire des pécheurs au nom de Jésus-Christ. Mais numéro 2, c'est le nom prédominant qui guérit les pires des maladies. Quelle que soit la maladie que vous avez, quelle est la maladie qui vient à votre esprit, la maladie qui vous fait trembler, la maladie que vous craignez, vous dites, mais c'est terrible, je peux supporter les autres maladies, mais l'autre là a tué cette personne, a éliminé l'autre là. Le nom qui vous sera à donner aujourd'hui, le nom là va rentrer dans votre vie et va dominer sur vous et toute maladie sera ôtée. Vous serez guéri. Vous serez guéri. Vous serez complètement guéri ce jour au nom de Jésus-Christ. Le nom prédominant qui guérit les pires des maladies. Maintenant, le numéro 3, le nom précieux qui délivre les pires des esclaves. Être esclave à Satan, au démon, être esclave à l'occultisme, être esclave aux simulants, être esclave aux drogues, être esclave aux choses mauvaises, vous ne pouvez pas vous en délivrer, mais le nom précieux qui délivre les pires des esclaves. Nous allons au premier point, c'est le nom puissant qui sauve les pires des pécheurs. Nous allons à Matthieu, chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils différent de tout fils. Depuis le temps d'Adam, un fils différent, le fils de Dieu, le fils avant la création du monde, le fils qui va régner, qui va protéger, qui va préserver, le fils qui a le dernier mot. Je voudrais vous dire ce jour que Jésus, le fils de Dieu, a le dernier mot dans votre vie. Le péché n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Ouais, le péché vous pousse, vous tire et dit allons-y. Tu ne peux pas sinon t'en empêcher parce que le lieu est glissant. Mais si le Fils entre dans votre vie et dit arrête, le péché va s'arrêter. Satan va s'arrêter. La souffrance va cesser. Ouais, l'ancien serpent qui était allé au jardin d'Éden et dit mange ceci. Touche ceci, prends ceci, et puis, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ce vieux serpent, l'ancien serpent, là, le fils, va l'arrêter dans votre vie. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de j'attends dans votre voix. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, J, c'est le justificateur. Le coupable vient dire que je n'ai rien dans ma main. Je suis coupable. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Jésus, le justificateur, à cause de son sacrifice, vos péchés seront pardonnés. Votre culpabilité sera ôtée. Votre condamnation sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il est l'émancipateur. Toutes les chaînes qui vous lient, toutes les cordes qui vous lient, il vient vous émanciper, vous libérer, affranchi. Je vous regarde là-bas, vous serez libéré. Tout ce qui vous lie, toutes les chaînes qui vous ligotent, toutes les choses qui veulent vous détruire, le Seigneur Jésus, le justificateur, Jésus, l'émancipateur, va vous affranchir ce jour au nom de Jésus-Christ. Il est le sauveur. Adam ne pouvait pas sauver Caïn, ne pouvait même pas sauver Abel. Adam ne pouvait pas sauver toute sa postérité parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et Moïse ne pouvait pas sauver les enfants d'Israël. Et c'est Dieu qui a dit
que je descendrai. Je descendrai pour les délivrer. Moïse ne pouvait pas sauver. La loi ne pouvait pas sauver. La seule personne qui puisse sauver le Fils de Dieu venant du ciel, le Sauveur, Jésus, le Justificateur, Jésus, l'Émancipateur, et Jésus, le Sauveur, il n'y a d'autre nom, il n'y a point d'autre nom, Moïse, Aaron, Josué, David, Salomon, il n'y a aucun autre nom, prophète, souverain, sacrificateur, il n'y a aucun autre nom. Prophète, apôtre, il n'y a point d'autre nom. Le nom d'une église, il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver. Jésus est le sauveur. Il est Jésus J pour le justificateur. Il est E pour émancipateur. S pour le sauveur. Et U, c'est-à-dire, c'est le soutien. C'est lui qui soutient tout l'univers. Dès que Jésus ôte sa main, de la planète, des étoiles, de l'univers, tout va s'effondrer. Voyez, tel que Moïse a élevé la main, Josué triomphait des Amalécites, mais comme il baissait sa main, alors Josué était vaincu et Israël serait vaincu. Mais Jésus, au fait, Josué de l'Ancien Testament, c'est Jésus selon grec. Jésus est le soutien de l'univers et de tous ceux qui viennent à lui. Donc c'est pourquoi il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Christ, avec vous, tout est possible à vous. Votre vie sera transformée. La maladie sera ôtée. L'oppression sera ôtée. Et dès qu'il vous sauve, Satan va dire, et tu es sauvé? Je vais te pourchasser, Satan est un menteur. Parce que Jésus qui te sauve va aussi te soutenir. Il est notre suffisance. Il est le justificateur Jésus. L'émancipateur, c'est Jésus. Le sauveur, c'est Jésus. Le soutien, c'est Jésus. Notre suffisance. Et en lui, nous avons tout. Que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je viens. Jésus, c'est lui qui parle afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait et qu'elle soit dans l'abondance. Et il viendra à vous ce jour. Vous l'aurez cela ce jour. Parce qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelqu'un crie Amen. Voyons, Actes chapitre 2, 21. Actes 2, 21. Rappelez-vous le nom que cela va s'accomplir. Actes 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom, c'est le nom. Alors quiconque ici, ce soir, quiconque là, ce soir, quiconque dans la nation là, ce soir, quiconque où que vous soyez ce soir, le pire des pécheurs, le pécheur terrible, le pécheur noir, le pécheur notoire, habituel, le pécheur commun, tout genre de pécheur que vous soyez ce soir, le Seigneur est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous sauver. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Satan ne peut pas empêcher ton salut, sera sauvé. Les hommes ne peuvent pas empêcher ton salut, tu seras sauvé. Le salut du Seigneur viendra à toi maintenant. Et comme tu l'invoques, comme tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Est-ce que vous avez à penser à cela? Que Dieu a dit que viens recevoir quelque chose et Dieu déblaye le chemin et il ôte tous les cailloux de la voie, il ôte les obstacles de la voie parce que quand il t'appelle et que tu viens, tous les empêchements sont ôtés. C'est pourquoi ce soir, comme tu viens, tu dis oui Seigneur, je veux, oui Seigneur, je désire, oui Seigneur, je prie, sauve-moi. Le salut va descendre dans ton cœur. Nous allons au deuxième point,
le nom prédominant qui guérit les pires des maladies. Le nom prédominant qui guérit les pires des maladies. Vous savez, parfois, lorsque quelqu'un est malade et la chose, la maladie s'aggrave, s'empire, et la personne va dire, peut-être que je meurs, et si je meurs, que je vais, sinon je vais m'en débarrasser. Mais tu ne veux pas mourir. Vous allez vivre. Le diable, par la maladie, par la souffrance, t'a acculé jusqu'à ce niveau et dit que il veut que tu le dises de ta bouche. Parce que c'est lui qui contrôle la mort. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. Mais il veut que tu l'invites. Parce qu'il apporte la maladie et les choses sont gâtées. Tu ne peux pas dormir la nuit. Finalement, tu dis que la mort, où es-tu? Je te cherche. Tu peux venir maintenant. Et Satan est content. Avant que Satan n'apporte la mort, Christ sera là et il va intervenir dans ta vie. Tu ne mourras pas. À l'hôpital là-bas, tu ne mourras pas. Sur le lit de maladie, tu ne mourras pas. Mon frère, mon ami là-bas, ta femme ne mourra pas. Et ma fille, ma soeur là-bas, ton mari va vivre, il ne mourra pas. Parce que nous avons le nom prédominant qui guérit les pires des maladies. Voyons Actes chapitre 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. Juste que vous avez eu une consultation médicale dans votre vie et le docteur te dit, mais éjecte ta langue et vois ta langue. Quand le docteur voit ta langue, il peut dire que, oui, voit que vous n'êtes pas en santé. Ils vont te poser une question importante. Ils vont dire que dans ta famille, ton grand-père, ton père et les gens de votre famille là, de votre famille, quelle est la maladie qui vous dérange de plus? Et si tu dis que le cancer, je dis que oh, d'accord, je dis que oui, que mon père a telle maladie. Et ton grand-père, avant de mourir, qu'est-ce qui lui était arrivé? Tu dis que oui, qu'il avait la crise cardiaque. Je dis d'accord, parce qu'ils savent que comme tu sors du ventre de ta mère, tu as aussi l'hypertension et la crise cardiaque et les défis mentaux, toutes les choses là, tu as eu cela depuis la naissance. Et il y avait un homme boiteux, alors on a couvert son nom, parce que vous savez, nous ne voulons pas mentionner le nom des gens qui ont des problèmes terribles. Il y avait un homme boiteux de naissance qui a ce problème. Quel que soit ce que vous avez eu de naissance, ce jour, ce soir, c'est le soir. Dotez cela de votre vie. Dieu va prendre son bic depuis le ciel. Que cancer, il bip dessus. Que hypertension, il bip dessus. Cécité, il bip dessus. Et la pire des maladies dans votre vie, dans votre corps, dans votre gorge, dans votre cerveau. Et quel que soit le lieu dans votre œsophage, le Seigneur va l'ôter ce soir au nom de Jésus-Christ. Annuler ma maladie. Il faut dire cela. Ma maladie est supprimée. Ma maladie est annulée. Ma maladie est supprimée. La condition incurable, c'est supprimé. Cela va se produire ce soir. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Il ne pouvait pas céder. Il est impotent qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appeler la belle pour qu'il demandât l'aumône.
à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Que je m'arrête là-bas. Parfois, quand je prêche, je regarde un homme, une femme particulière, je ne sais pas pourquoi, comme Pierre et Jean, et qui ont fixé les regards sur l'homme, et la personne a ôté ses yeux. Pourquoi tu as ôté tes regards? Lorsque mon regard rencontre ton regard, il y aura une explosion de miracles. Vous le savez, et l'un des cultes à Lagos d'où je suis arrivé ici, c'était au cours de la prière. Il y avait eu une sœur qui était très malade. Je ne savais pas. La sœur est très, très malade. Elle a essayé d'arriver à l'église lorsqu'on priait. Et tout le monde s'est levé. Mais elle s'est levée. Elle a essayé. Mais elle s'est courbée elle a mis la tête sur le banc devant elle. Mais je me dis, je me demande pourquoi elle est comme ça. Et puis, ce que j'ai fait, et je l'ai touché à l'épaule pour lui dire que lève-toi. Je n'ai pas parlé, je dis que lève-toi. Et comme je l'ai touché comme ça, la maladie a disparu. Seulement une touche. Un regard, une parole, et votre maladie est annulée. Et lorsque je dis, examinez-vous. Le miracle est là déjà. Donc, Pierre a dit, regarde-nous, verset 5 a dit. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6 ici. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais l'homme n'a pas parlé comme les autres, que je cherche l'argent, je cherche l'or. Mais si tu n'as pas l'argent, l'or, vas-y. Moi, je cherche les gens qui ont l'or, l'argent. Il faut comprendre la parole. Il dit que je n'ai ni argent ni or, mais je vais te donner la force, la santé, les pieds, les mains, l'énergie et l'enthousiasme et puis la joie qui te feront aller posséder l'or et l'argent. Si je te donne l'argent et l'or, tu vas finir à les dépenser. Mais je vais te donner les pieds, je vais te donner les jambes, je vais te donner la force. Et dit que je n'ai ni argent ni or. Vous aurez quelque chose ce soir, quelque chose de plus, quelque chose qui surpasse l'argent, qui surpasse l'or. Vous aurez la touche de guérison du Seigneur au nom de Jésus. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom, c'est le nom. Le nom-là ne perd jamais sa puissance. Le nom-là domine toujours aujourd'hui. Et cela va dominer sur tous les défis de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà le verset 7. Et le prenant par la main droite, pourquoi? L'homme qui n'a jamais marché, parce qu'il était boiteux de naissance et ne comprenait pas que l'intrusion là a mené une confusion. Je n'ai jamais fait ça. Il me disait de me lever et marcher. Je ne peux pas me lever et marcher. On m'a porté ici. Je ne peux pas me déplacer. Chaque fois, on me conduit de place en place. Donc, Pierre lui a prêté une main forte. Lui a touché sa main. Il ne l'a pas poussé. Il ne l'a pas forcé. Il a seulement lui donné la main pour l'aider. C'est ce que les surveillants font. C'est ce que les conseillers font. Alors, nous leur aidons. Nous leur passons la main. Ils sont boiteux. Ils ne croient pas marcher. Ils sont paralysés. Ils ne croient pas marcher.
un pied et une jambe est plus coûteux que l'autre, il ne croit pas que ça peut venir être au même niveau que l'autre. Alors, ils sont aveugles. Alors, ils ne croient pas voir, mais nous pouvons les aider. Alors, peut-être un nom. La prière est faite. Et ce soir, tu es en santé et doucement, ils se lèvent comme vous les aidez naturellement. Le secours surnaturel va prendre le contrôle. Et c'est dit que... Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant. Il n'a pas fui et rentré à la maison. Et louant Dieu, vous allez louer Dieu. Vous allez donner votre témoignage. Et lorsque les gens donnent leur témoignage, vous serez là pour vous réjouir avec eux au nom de Jésus-Christ. Vous aurez votre témoignage. J'aurai mon témoignage. J'aurai mon témoignage. La pire des maladies guérie. Voilà le verset 16. Verset 16. C'est pas la foi en son nom. Pas le cri de Pierre. Mais son nom. Pas l'effort de Pierre, mais son nom. Ce n'est pas l'argent qu'on donne. En fait, l'homme là n'a rien. C'est son nom. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le Seigneur le fait toujours. Le Seigneur le fait toujours. Son nom domine ce jour sur les pires des maladies. Laissez-moi vous montrer deux personnes qui ont reçu ce miracle. Il y a cette sœur bien-aimée, Madame Dominique, qui a été guérie de 6 ans, dernière, douloureuse, et qu'elle s'adresse à nous. Je suis Dominique Babari, à Siganiba. Je rends grâce à Papa Koumoui de me donner le privilège de donner mon témoignage. Je traverse de douleurs pendant 6 ans. Je ne pouvais rien faire. J'ai fait la consultation médicale. Le docteur m'a dit que ça, c'est l'hernie. Et je n'ai pas le quoi pour faire l'opération. Et j'allais au champ. Et j'ai vu ce poster. L'affiche publicitaire qu'il y a une croisade. J'ai décidé d'être à la croisade afin d'être guéri. Par la grâce de Dieu, j'étais à la croisade et après la prédication de notre Père dans le Seigneur Papa Koumoui, il a dit qu'on lève la main, quel que soit le domaine, et puis là où on a le mal, j'ai imposé la main à mon estomac et l'a prié. Seigneur, je prie que tous ceux qui espèrent leur guérison, qui espèrent leur miracle, qui espèrent leur délivrance, Seigneur, accorde-leur maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Et j'ai retrouvé que la maladie là qui me troublait pendant 6 ans a disparu. Et je ne pouvais plus voir les symptômes. Je rends grâce aujourd'hui que je suis vivante. La maladie ne m'a pas ôté. Ma prière pour Pasteur Koumoui, c'est que Dieu qui l'a utilisé pour faire ce miracle, que le Seigneur continue de l'oindre, de le fortifier. Merci pour ce qu'il m'a fait et partout où il se rend, qu'il soit conduit en miracle. Partout nous allons, comme Dieu l'a fait pour elle, c'est votre tour. Dieu le fera pour vous au nom de Jésus-Christ.
Je vous l'ai dit, deux personnes, nous avons entendu notre soeur, si soeur Cécilia, soeur Cécilia, pas nous. Ceci n'est pas un cas d'église. Parce que ceci a besoin d'une opération chirurgicale que sinon tu ne peux pas suivre. Je dis, je vais suivre. Merci de m'avoir donné l'opportunité de donner mon témoignage. Je suis Cécilia. Accord. Dieu est très merveilleux pour nous. Il y a de cela 10 ans. J'urine le sang. Je vais à l'hôpital avec le sang, des douleurs partout. J'ai visité plusieurs lieux. La dernière fois, on m'a exigé l'opération. Je dis, je ne peux pas faire l'opération, que Jésus va me guérir. Ils ont dit, non, ceci n'est pas un cas d'église, qu'il faut une chirurgie médicale. Une opération médicale. Je dis, Jésus est mon docteur. Je suis à Kbo, c'est ma femme. On a eu 100 différents hôpitaux, des experts qui ont recommandé l'opération. Ma femme a dit non, que Jésus va l'opérer. La chose était très terrible, qu'elle pissait du sang. Elle est très anémiée. On l'a amenée au meilleur hôpital de la ville et on a dû, sinon, le faire une transfusion sanguine. On dit qu'il n'y a pas de solution que l'opération. La femme a dit non. Pour compliquer la situation, mon cousin, qui est aussi un médecin, il a dit que si on l'opère, si on ne l'opère pas, il n'y a pas de solution. Et puis, j'ai pris ma femme. Et puis, on allait à la maison, on fait les soins à la maison. Le jour de la croisade, là, et le docteur, le pasteur a mentionné le cas de rein. Les problèmes rénaux quittés. Je commande que les douleurs quittent. Dès le jour-là, je suis guéri. Elle n'a pas chié pour un long moment. Et elle était allée aux toilettes le samedi matin, elle est allée, puis elle a chié les choses. Regardez son urine, tout est pur. Regardez, et tout est pur. Alors, les choses ont changé dans sa vie. Depuis lors, elle est en santé, tout va bien. Le problème a disparu le jour-là. Nous apprécions Dieu pour le surintendant général et pour sa prière. Ma prière, c'est que le Seigneur prolonge la vie du surintendant général. Faites un banc pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La joie dans la ville. La joie dans votre vie. La joie dans votre famille. La joie partout où nous nous connectons avec la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est le nom. Le nom de Jésus. Et ce nom-là va agir dans votre vie même ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 3. Le nom précieux qui délivre des pires. Qui délivre les pires des esclaves. Ouais, lors de la traite négrière dans diverses parties du monde, quand on voit ces esclaves-là, c'est comme on les prend, on les enchaîne et on enchaîne leurs pieds et on les enchaîne un à un autre et on les force, on les tire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, jusqu'à ce que la traite négrière prenne fin, physiquement, naturellement. Mais, spirituellement, la traite négrière, pour vous, pour votre famille, tout cela a pris fin. Et le pire des esclaves,
esclave au péché, esclave à la maladie, esclave aux stimulants, esclave à la marijuana, esclave aux drogues, esclave aux mauvaises habitudes, esclave aux comportements destructeurs. Ce jour, l'esclavage annulé par le nom exalté du Seigneur Jésus-Christ. Le nom là est exalté. Philippiens chapitre 2, verset 11. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné à Christ le nom Sauveur au-delà de tout prétendant qui croit sauver. Il lui a donné le nom de guérisseur au-delà de tout petit guérisseur qui font quelque chose par terre. Ils sortent de leur couvent et ils brûlent des choses comme le lézard et la blatte. Il écrase cela et il y ajoute des choses. Et puis, il dit qu'ils sont guérisseurs. Voici le guérisseur surnaturel, le suprême guérisseur. Il a le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Le cancer va fléchir, la tuberculose va fléchir, les maladies incurables vont fléchir, et toutes les choses qui vous tiennent en captivité vont fléchir ce jour, parce que Dieu lui-même l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu crois, si tu penses au nom que le docteur t'a mentionné, t'a dit, le nom de ta maladie, le nom dans les poumons, le nom de la chose là, du mal là dans ta voix, dans le nom de la chose là qui couvre ta vision, le nom de la chose là qui désorganise les cellules cérébrales, le nom de la chose là qui cause des douleurs à tes jointures, le nom de la chose là qui fait coaguler ton sang, le nom de la chose là qui fait amener la douleur dans ta colonne vertébrale, quel que soit le nom de Jésus les surpasse tous. Et le petit nom va fléchir. La petite souffrance va fléchir. Lorsque Christ, le Sauveur, le Guérisseur, vient régner dans votre vie, toutes ces choses-là vont fuir votre vie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse, par la foi, par acceptation, par accepter cela, prends cela, que ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, c'est pour moi qu'il a fait. Et tu confesses cela. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il m'a accordé le salut. Et comme tu confesses de ta bouche, il y aura la confirmation depuis le ciel. Tu seras sauvé ce jour. Tu seras pardonné ce jour. Ta vie va changer ce jour. Et toute la culpabilité, la condamnation, comme tu mentionnes le nom de Jésus, tu dis, il est mon sauveur maintenant. Aussitôt, le salut viendra. Comme tu confesses ce jour, il est mon guérisseur. J'ai amené ce problème ici et là. Je ne pouvais pas être guéri. Maintenant, tu es venu au lieu de solution. Le champ de solution. Le sol de solution. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, vous avez entendu de la bouche des autres comment le Seigneur les a délivrés. Ta délivrance est venue.
Et comme tu confesses que Jésus est ton sauveur, que Jésus est ton guérisseur, que Jésus est ton libérateur, à la gloire de Dieu le Père, tous tes problèmes que tu as amenés ici seront guéris, seront réglés ce soir au nom de Jésus-Christ. En ligne, frères et sœurs, quelle que soit la nation où vous vous trouvez, le nom précieux est disponible pour vous délivrer des pires, des esclavages. On va à Luc, chapitre 4, verset 18, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, c'est votre soir pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont dans l'esclavage, ils seront délivrés ce jour. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de délivrance. Pour proclamer une année de délivrance, une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le sauveur, il le regardait pour le salut. Le guérisseur, il le regardait pour la guérison. Le libérateur, il le regardait pour être délivré. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, votre salut, votre guérison, votre délivrance, votre émancipation, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Félicitations à vous, c'est votre jour. Il va ôter tous vos péchés. Voici votre jour. Il va ôter les pires des maladies de votre vie. Gloire à Dieu, voici votre jour. Et il vous affranchira de tout esclavage au nom de Jésus-Christ. Le ciel est prêt, êtes-vous prêts? Dieu est prêt, êtes-vous prêt? Christ le sauveur, le guérisseur, le libérateur est prêt pour vous, êtes-vous prêt pour lui? Tête baissée, les yeux fermés. Vous voulez que ce nom agisse pour vous, le nom précieux, le nom prédominant, le nom puissant. Que ce nom-là ôte vos maladies, vos péchés, qu'il vous pardonne, qu'il vous donne ce grand salut, où que vous soyez, levez la main, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Le salut est venu, le pardon est venu, gloire à Dieu, la liberté est venue. Il va écrire votre nom dans le livre de vie au ciel. Levez la main là. Bien. Si vous levez la main, prière vous levez. Si vous levez la main, prière vous levez. Vous dites, oui, je crois en ce nom. J'accepte ce nom-là. J'amène ma confiance en ce nom-là. Lève ta main et tiens-toi debout où que tu te trouves. Parce que le pardon là te sera donné maintenant. Et dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici votre jour. Que ce jour ne vous dépasse pas. Que ce temps ne vous dépasse pas. Levez la main là. Et tenez-vous debout. Et comme vous vous mettez debout, votre confiance, votre foi, c'est dans le nom. Aucun autre nom ne peut sauver. Aucun nom ne nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous puissions aller au ciel. Mais le seul nom là qui puisse nous sauver, c'est le nom de Jésus. Si vous levez la main, où que vous vous trouvez, vous levez la main dans votre maison, dans votre église,
où que vous trouvez, quel que soit le pays, vous êtes en ligne, vous êtes à la radio, vous êtes à la radio ou à la télé, vous voulez maintenant le salut qui nous est donné par le nom du Seigneur. Tu lèves la main, tu te mets debout. Et en te mettant debout, tu dis, Seigneur, je te remercie pour Jésus, ton Fils unique, qui a été donné pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés. J'accepte le pardon, je crois en Christ mon Sauveur, et j'ai maintenant le salut du Seigneur. Je prie pour vous maintenant, Père. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que tu as exalté ton Fils unique, Jésus-Christ, pour être le Sauveur du monde entier. Et ici, et ces gens ici, et là-bas, les gens à la radio, à la télé, et les gens sur les réseaux sociaux ont indiqué qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ pour être leur Sauveur. Confirme ce salut dans leur cœur, dans leur vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ôte leur condamnation, ôte la culpabilité, que la joie du salut et la paix du salut et la victoire qui accompagne le salut viennent sur eux maintenant et confirment le salut dans chaque cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est accompli. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Les conseillers sont là. Les membres de la Cora sont là. Alors, ils vont vous donner une fiche à remplir. Remplissez cela joyeusement. Cela va nous aider. Cela va nous aider à vous assister plus. C'est le commencement de la plus grande vie que vous puissiez mener sur la terre. C'est la plus grande expérience que vous puissiez faire avec Dieu. Être enfant de Dieu et avoir accès au trône de Dieu. Soyez fidèles comme le pasteur l'a dit. Écrivez votre nom, votre téléphone, votre adresse, afin de nous permettre de vous aider plus. Le trésor, et vous êtes exposé au trésor inépuisable de Dieu. Les anges se réjouissent au ciel pour vous. Comme vous vous donnez au Seigneur, les anges au ciel chantent, les anges te célèbrent que tu es revenu au Seigneur. Ta vie va expérimenter de nouvelles choses à partir de ce jour. L'heure est maintenant au conseil. L'heure est maintenant au conseil. Prenez les coordonnées des nouveaux convertis. Tu fais, tu causes la joie de tout le ciel, des anges de Dieu, ce jour, parce que vous êtes donné au Seigneur. C'est le plus grand miracle que l'on puisse expérimenter dans la vie. Vous êtes maintenant enfant de Dieu?
Vous êtes maintenant saint et non pécheur, un changement de nom. Vous avez un grand nom que le Seigneur vous a donné un nom glorieux. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne, vous verrez un nom, il y a un lien là-bas, et puis il y a un numéro de téléphone aussi pour le lien du moins, cliquez sur le lien et cela vous conduira à un formulaire que vous allez remplir et vous le soumettrez après l'avoir rempli. Et cela va nous aider à vous assister plus. Si vous êtes en ligne et vous êtes à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, écrivez ce numéro de téléphone, plus 234 91 54 44 92 63. Encore une fois, plus 234 91 54 44 92 63. Cette nuit, vous allez voir une explosion de puissance. Vous allez voir une explosion de puissance. Vous allez voir des miracles nus. Vous allez voir des paralytiques marcher. Si vous avez amené un aveugle, l'aveugle va rentrer chez lui, les yeux ouverts. Il va voir de ses propres yeux. Tous ceux qui sont en ligne et qui ont donné leur vie au Seigneur, priez, cliquez sur le lien et remplis le formulaire et puis faire tout possible pour le soumettre. Ou bien vous nous envoyez par WhatsApp votre coordonnée par plus vous nous envoyez votre coordonnée au plus 234 91 54 44 92 63. Conseiller, soyez remplis d'attente, d'espoir, parce que le Seigneur va faire des merveilles dans votre vie ce jour. Rappelez-vous ce que le serviteur de Dieu a dit. Oui, bien sûr, l'homme de Dieu, oui, peut ne pas venir à vous et vous toucher. Mais vous allez recevoir votre miracle. Je veux un plus grand amen. Seulement un mot, une parole. Écoutez tous ces témoignages-là. Ils ont dit que il a prié, ils ont obéi. Il a dit, touche là où tu as le mal. En obéissance, ils ont touché. Seulement, ce qui nous est dit ce jour, c'est qu'il y a un nom qui surpasse tout autre nom. Dès qu'il mentionne là, le nom là, dès qu'il pose le décret au nom de Jésus, toutes vos maladies, toutes vos infirmités vont disparaître. Je dis, elles vont disparaître. Je dis, elles disparaîtront. Seulement, attendez, vous allez le voir ce jour. Si vous ne croyez pas à un miracle, au miracle, ce soir, vous allez voir un. Et vous allez donner votre témoignage.
Soyez prêts maintenant. Le serviteur de Dieu, avec l'onction de Dieu sur sa vie, il montera maintenant sur le podium pour poser le décret sur la maladie et les maladies vont disparaître ce jour. Gloire à Dieu, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui guérit la pire des maladies, le nom qui délivre des pires des esclavages, le nom là va agir dans votre vie. Vous avez entendu le témoignage des autres, nous avons mentionné le nom de Jésus, on a dit le dernier Amen. Et les miracles sur leur vie, votre miracle est venu ce jour. Levez votre main et imposez la main là où vous avez le défi. Vous mentionnez le problème. Mentionnez le problème maintenant. Créez votre problème. Ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Mentionnez votre problème. Quel est votre problème? Parlez audiblement. Encore. Encore. C'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est notre joie, Seigneur, je prie que ce soit partout, dans tous les cœurs, qu'il y ait la joie au nom de Jésus-Christ. Nous venons et nous nous rappelons le nom de Christ, notre Sauveur. Christ, notre guérisseur. Christ, notre libérateur. Nous oublions tout autre nom. Tout autre nom va venir sous le nom puissant, prédominant, l'autorité suprême de Jésus-Christ. Ainsi, maintenant, nous prions que toute maladie disparaisse, que la cécité disparaisse, que la surdité disparaisse, que la langue muette se délie, que la folie soit guérie, que le goitre, que la bosse, que le ventre enflé, que l'hernie, que l'éléphantiasis disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que le cancer, l'ulcère, l'insuffisance rénale, l'hémorragie, l'hémorroïde, le cancer épidémique, les maladies cutanée, la crise cardiaque, l'hyperglycémie, que tout cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. L'arthrite, la poliomyélite, la langue, la jambe plus courte, le bras sec, la paralysie, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui vous tourmentent, la souffrance, l'ancien serpent et toutes les choses mauvaises et la douleur, je vous commande de quitter là-bas au nom de Jésus-Christ. Et pour tout le monde maintenant, je déclare la maladie sur vous, pour tout le monde. Je prononce la délivrance sur vous, sur tout le monde. Je prononce les miracles pour tout le monde ici. Et partout en ligne,
des signes et des prodiges sur vous au nom de Jésus-Christ. La confirmation dans votre vie, l'oppression de l'esprit dans votre vie, c'est fait. La manifestation visible, vous allez voir cela. Seigneur, confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Je dis, c'est fait. Examinez-vous. Vous verrez le miracle.